Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer d'une manière totalement horizontale. Nous avons connu donc une phase de baisse très court terme qui a ramené les cours de cette paire de devises ici sur la zone de support des 1.0780 avec un rebond qui est en train de s'inscrire. Donc pour l'instant ça ne change rien sur la paire de devises euro-dollar. On évolue toujours ici dans ce range entre 1.0780 et la zone ici des 1.0960. On a parfois des petites attaques ici qui viennent tenter une rupture de ces niveaux, mais globalement ça reste neutre d'un point de vue court terme. Idem sur le câble, donc la paire de devises GBP-USD qui évolue d'une manière totalement neutre depuis donc que l'on est entré ici dans cette zone à la fin du mois de mars. Eh bien, on a cassé à la hausse ici la zone des 1.22 et depuis, eh bien, on oscille ici entre cette zone et la zone de résistance ici des 1.2645. Donc là aussi, malgré une dynamique haussière qui avait été suivie d'une forte dynamique baissière, on s'est totalement ici stabilisé au sein de cette zone. On est très proche ici de la zone médiane qui se situe très proche des 1.24 et on évolue autour de cette zone. Donc là aussi, comme sur la paire de devises euro-dollar, on est neutre d'un point de vue court terme sur la paire de devises GBP-USD. Sur l'or, par contre, l'apparence neutre de la dynamique court terme pourrait être trompeuse, puisque si on se rapproche, eh bien nous pouvons constater que certes, nous avons ici une zone de contact qui se fait sur un niveau de support horizontal, qui était précédemment une résistance, mais lorsque nous regardons eh bien, les zones de points hauts, nous avons ici une succession de points hauts qui évoluent d'une manière baissière, ce qui indique que pour des contacts ici qui reviennent toujours sur le même niveau, eh bien on a de moins en moins d'amplitude sur les phases de rebond. On est même resté ici sous la zone des 1705$ l'once sur la dernière phase de rebond technique. Et le fait de revenir de plus en plus rapidement ici sur cette zone des 1671$ l'once, eh bien, pourrait anticiper ici une rupture de ce niveau. Auquel cas, eh bien, nous aurions une possible accélération baissière qui pourrait se mettre en place en direction ici de la zone des 1635. Alors cette zone des 1635$ l'once, elle n'est pas anodine puisque par rapport ici à la totalité de cette dynamique, la rupture du retracement à 23,6% de Fibonacci nous donnerait un objectif donc sur la prochaine zone de retracement qui se trouve donc pour le retracement à 38,2% à 1635,90. Nous avons la zone horizontale ici des 1635 qui était précédemment aussi résistant sur cette phase et qui était support sur des phases précédentes. Donc en cas de rupture ici de ces niveaux, eh bien c'est certainement cette zone ici des 1635$ l'once qui ferait figure d'objectif, tant en tout cas qu'il n'y a pas de rupture haussière significative de la zone des 1705$ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous sommes toujours ici sur cette dynamique haussière qui est partie ici des 10$ le baril. On a eu donc le franchissement des 18.15 qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, eh bien a été donc validé en cassure et s'est depuis imposé comme zone de support. Et donc on continue ici à évoluer à la hausse. Alors si on se rapproche de cette dynamique, on peut constater ici que le support n'est pour l'instant défini que par deux points. Si on remonte ici après cette phase de temporisation, eh bien il conviendra d'ajuster ce support par rapport justement à ce qui pourrait être un troisième point de contact, ce qui nous donnera un repère par rapport justement à cette dynamique court terme. Donc on le voit, la dynamique ici elle est orientée à la hausse et nous avons un objectif de poursuite ici en direction de la résistance des 28$ le baril, tout au moins tant que cette zone de support oblique ici ne sera pas cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.